audacieux, Robin des Bois. Il est courageux, Robin des Bois. Robin des Bois. Robin des Bois. Vraiment généreux, Robin des Bois. Toujours valeureux, Robin des Bois. Robin des Bois. Robin des Bois. Il défend les opprimés, se bat pour la vérité, Robin des Bois. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été attaqué par un bandit. Il m'a volé mon cheval. Bon, d'accord, mais il ressemblait à quoi, ce bandit? C'est un peu dur à expliquer. Oh. À peu près à ça. Regardez. Ah, des traces de sabots. Retrouvez mon cheval. Je vous en prie. Vite, avec un peu de chance, on pourra le rattraper. Ça doit être son cheval, mais où est passé le bandit? Bon, peu importe, on le prend et on s'en va. Surtout, ouvrez l'œil. Ah 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 oh, oh, le poisson a mordu à l'hameçon. Ouais, et c'est une belle prise. Les brigands, j'aurais dû m'en douter. Oh, génial. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Faites tout pour les éloigner d'ici. Moi, je m'occupe du cheval. On se retrouve au repère. Attention, ils essaient de s'échapper. Attrapez-les. Vous n'êtes pas les seuls à savoir attraper les gros poissons. Allez, viens mon grand, je te ramène à ton maître. Yeah! Désolé pour l'embuscade, mais on a très envie de toucher la rançon promise pour ta capture. Ah ah, on a perdu les deux autres. Bon, alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? On les a semés. Oh, j'ai trop couru. J'ai une de ces soifs. Robin n'est pas avec vous? C'est pas bon signe. On vient de se faire attaquer par les brigands. Alors en route. Il a peut-être besoin d'aide. D'accord, on y retourne. Narc. Bizarre, elle a un arrière-goût d'œuf pourri. Espèce d'idiot. C'était la potion pour retransformer Derke en dragon. Je me doutais bien que ça marcherait pas de toute façon. Tu te sens bien, Tuck? Oh, c'est dingue! Il parle comme un vrai rossignol! Et pas du tout comme un dragon! Je suis désolée, Derke. J'étais pourtant persuadée que c'était la bonne formule! Ça va, je connais la musique. Tiens, ça t'aidera. Alors? Ça doit prendre quelques heures avant de faire effet, voire quelques jours. Bon, désolé, mais il faut qu'on parte à la recherche de Robin. Oh. Vous sentez cette bonne odeur? C'est l'odeur de l'or et de l'argent qui va bientôt emplir nos poches. Et vous entendez ce doux bruit-là? Chling, chling, chling. Et ben ça, c'est le bruit de... Je crois que vous avez perdu quelque chose. Mais quelle boulet, c'est pas possible! Vite, bande d'andouilles!
Je ferais très attention si j'étais toi. Ce sont les rois des coups tordus, ces trois-là. Hein, comment ça? Je me demande ce qu'ils vont faire quand ils verront qu'une prime divisée en 4 rapporte moins qu'une prime divisée en 3. Oui, t'as raison. À moi la récompense. Quoi? Regardez, l'arc de Robin. Ça ne fait aucun doute, ils l'ont capturé. Oui, il a raison, c'est pas terminé. On va couper à travers bois pour les intercepter. Inutile de te cacher, tu ne pourras pas aller loin de toute façon. Oh oh, ça se complique, on dirait. Tiens, tiens, regardez qui voilà. C'est ça que tu cherches, Landrin? Vous êtes là, mon cheval a décarpi et Robin en a profité pour s'enfuir. Ouais. Remettez-le dans le chariot et cette fois, c'est moi qui conduis. Ah, les brigands, je les transformerai bien en ver de terre. Oh, mais qu'est-ce qu'il veut dire à la fin? Il a raison, on a eu assez de magie pour aujourd'hui. Bon, et si je vous propose un marché? Si vous me laissez partir, je vous promets de vous donner mon trésor. Parce que tu as un trésor. Et depuis quand? Attendez, vous croyez vraiment que depuis tout ce temps, on redistribue aux pauvres tout l'or qu'on a volé au prince Jean? Oui, ça paraît logique. Et ça représente combien? Disons, bien plus que la récompense pour ma capture. Combien de fois plus? Emmenez-moi au dolmen, vous verrez par vous-même. D'accord. Mais j'espère pour toi que ce n'est pas une entourloupe, compris? Pourquoi au dolmen? Aucune idée, mais il sait qu'on est là. Et il compte sur nous pour qu'on leur tende un piège. Alors dépêchons, il faut qu'on arrive avant eux. Arrêtez-vous ici. Alors, il est où ce putain? Vous voyez ces bouts de bois qui forment une croix? C'est là, mais il va falloir creuser. Non, reste ici et ne lâche pas Robin d'une semelle, c'est compris? Cette fois, c'est fichu. Ce Landrin va le livrer au shérif. C'est pas fini. On a encore du temps avant que Robin ne se retrouve enfermé dans le château. T'as raison. En prenant un raccourci, on devrait avoir le temps de préparer une petite surprise. Fais-moi la courte échelle. Non, t'es beaucoup trop lourd. Demande à la poisse. Et pourquoi c'est pas à Doug de me faire la courte échelle d'abord? Oh. Le voilà, shérif. Cette fois, je te tiens, mon gaillard. Merci beaucoup, shérif. Adieu et sans rancune. Ben voyons, on se reverra très bientôt, je te le garantis. Adieu. Beau travail, shérif. Je suis certaine que le prince Jean vous récompensera pour la capture de ce vaurien. Il faut quand même reconnaître que je le mérite. Approche, que je te dise ce qui t'attend, bandit. Il y a des tonneaux sur le pont, saute dans celui avec une croix. Inutile de me raconter ces horribles choses. Je n'ai pas peur d'aller en prison. Tant mieux, parce que ta cellule est prête. Il s'échappe! Vite!
Dépêche-toi. Viens jouer, les amis. On se retrouve dans la forêt. Regardez, Petit Jeu est en train de s'enfuir. Laissez-le. Concentrez-vous sur Robin. Rattrapez-le. Mais enfin, qu'attendez-vous pour attraper ce coquin? Au travail, shérif. Tout de suite, princesse. Merci, les amis. Vous m'avez sauvé. Mais il nous reste une dernière chose à régler. Crapule. Oh, oh, ça y est, je parle. Dommage. Je m'étais habitué à tes petits gazouillis et à tes nouveaux amis. Merci pour ce don généreux. Nous le distribuerons de ta part aux habitants de Nottingham. Et sans rancune, hein. Ah, au secours, au voleur! À l'aide! Ah, non, attendez, c'est pas du tout ce que vous croyez. Prêt. Tu vas nous payer très très cher.